Bien salut à tous, c'est Passion Cinéma, on se retrouve pour une vidéo, je vire des DVD et des Blu-ray. J'ai vu que la première vidéo avait vachement plu par rapport aux vues, bien sûr je ne fais pas de vues, enfin je ne cours pas derrière les vues, mais voilà je me sers des vues pour voir ce qui plaît, et je trouvais que ça avait vachement plu, du coup j'avais créé une playlist, donc du coup je vais vous en faire d'autres. Donc on va regarder ensemble, bon bah là, tous les Mel Gibson c'est hors de question. Alien non plus, la momie. Pour moi c'est le meilleur, le 3. Vent de la liberté, un très très beau film. Après une histoire vraie, mais je vais pas revenir dessus. Voilà, il est très beau, mais voilà, je reviendrai pas dessus. Hop, on va le dégager. Scooby-Doo, on garde. Parrain, on garde. Voilà. Ensuite, on va bouger ça. Je vais mettre ça, hop. Derrière, non, on va garder. Là, on va garder aussi. J'ai quelques boîtes vides, faut que je pense à les enlever. Celui-ci, on l'avait. Je vous en ai jamais parlé. Mais il est plutôt assez intéressant. Mais voilà, j'y reviendrai pas non plus. Il y a des films comme ça, vous allez les acheter, vous allez les regarder, les garder un petit moment, et puis après, au bout d'un moment, bah, vous reviendrez pas dessus, quoi, clairement. Donc je remets un peu d'ordre et on se retrouve de suite. Donc voilà, j'ai remis correctement, donc je compléterai les trous. Ensuite, on va passer en dessous. Force spéciale, non, excellent film, les loups, les toons, on garde. Les documentaires Napoléon, le film Napoléon, on garde. J'accuse Predator, regardez. Bah là pour les Blu-ray, honnêtement, on va rien enlever. On va même plutôt tout garder. Hop, pareil, on va enlever ça. Faire histoire d'avoir un peu de place. Qu'on voit ce qu'il y a derrière. Clairement, donc bon, là on n'a rien enlevé. Bon bah de toute façon, il n'y aura rien enlevé ici. Hein, voilà. Rien du tout. Siberia Sniper, Siberia Sniper, armée visée, ne jamais rater sa cible. Donc, je pense que je vais l'enlever. Ouais, je pense, je vais le mettre là. Et puis, je vais voir. Je vais voir. Johnny English, on garde. SOS Fantôme en danger, on garde, c'est plutôt cool. Donc voilà. On va le mettre de côté, on va le mettre là, comme ça. Ensuite, en dessous, bon bah, Inferno, on garde. Kid Bill, Phil d'Artagnan. Bruce Tout-Puissant. Hop, on garde. SAS. SAS, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. On suit l'évolution des personnages, mais vous le regardez une fois, clairement. Après, voilà. Donc on dégage. Non, 9ème escadron, on va garder. On va garder. Bah, il est plutôt pas mal. Imperium avec Daniel Radcliffe, on va garder. J'aime beaucoup la jaquette, elle est très belle. Insider, le film est assez bon parce que ça prend le temps de mettre en place l'histoire. Mais c'est la scène du braquage à la fin, elle est médiocre pour le film que c'est. J'aime beaucoup la jaquette, mais on va dégager. Allez, hop, on dégage. Centurion, on va garder. Clou Atlas. Clou Atlas, je vais l'enlever. Alors, j'aime beaucoup Mel Gibson, c'est un excellent acteur. Mel Gibson. Qu'est-ce que je dis? Tom Hanks, excusez-moi. Voilà, parce que ouais, Mel Gibson et Jim Carrey font partie de mes trois acteurs américains préférés. En top 3. Pas top 5, top 3. Après, les top 5, bien sûr, j'ai mon top 5. Un très bon film, après il est un peu complexe quand même, honnêtement, à regarder tête trop posée, éteignez votre téléphone si vous regardez, mais très très complexe. Je vais donc la dégager puisque je l'ai vu et j'y remettrai pas les pieds. Ce surmage je garde, Predator je garde, ça je garde, je l'ai pas vu encore. Je garde, Minority Report je garde. Rampage je vais garder puisque je ne l'ai pas vu encore. Mais quand je l'aurai vu, je verrai, je le garderai suite à une vidéo, voilà. Et derrière, je sais qu'il n'y a rien de toute manière à dégager, donc voilà. Donc on a quand même dégagé tout ça. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 films. 6 films, on a quand même un Blu-ray.
Hop, excusez-moi, j'ai passé la main devant. Donc plutôt intéressant. Donc je vous remontre un peu ce qu'on a dégagé. Donc celui-ci, alors à voir, je sais pas trop si je vais le dégager ou pas, donc je le mets de côté. Mais on va le considérer qu'il est dégagé. Ce film de guerre, qui est plutôt assez intéressant, histoire vraie. Très jolie histoire. Le vent de la liberté. Un petit, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais plutôt pas mal. Donc, mais on va le dégager puisque j'y reviendrai pas. SAS, section d'assaut également, qu'on va dégager. Voilà. On va dégager celui-ci également. Et le petit Blu-ray. Voilà. Donc on va dégager tout ça. Donc qu'est-ce que je vais en faire, hein? Je pense que ça va être dans les commentaires, dans les questions. Ben clairement, je vais aller dans un cache. Piquage, cache express. Et je vais tout simplement les vendre là-bas. Voilà, ce qui permettra d'avoir un peu d'argent pour se racheter derrière d'autres films, tout simplement. Voilà, quand vous connaissez, que vous êtes vendeur régulier, vous pouvez avoir des petits prix intéressants. Voilà. À part les Blu-ray, qui peuvent vous rapporter plus, forcément. Donc je les stocke dans un coin, puis je vais voir si j'y vais ou pas. Ou voilà. Après, Clou Atlas, je vais voir. Je vais le mettre aussi en cash ou je le donnerai à un ami qui tient un magasin indépendant qui reprend du coup. Et en échange, je lui prends autre chose du coup. Donc je vais. Mais bon, voilà. Donc c'était Passion Cinéma. À la prochaine.